Shalom, shalom, bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue à ce moment de questions-réponses. La réponse, nous sommes là, vous avez des questions et par la grâce de Dieu, nous avons des réponses. Bonsoir, Pasteur Patrick. Bonsoir, maman Sandra. Comment s'est passée la journée? Bless, and I Alléluia, alléluia. Eh bien, nous sommes là, alléluia, nous sommes là. Comme vous le savez, tous les jeudis, nous venons parce que tout simplement, il y a une personne parmi nous qui pose une question ou bien il y a deux, trois personnes qui posent des questions. Et donc, lorsqu'il y a des questions, il y a certainement deux réponses. Voilà la raison pour laquelle nous sommes là ce soir. Alors, nous disons bonsoir à tout le monde qui est déjà connecté. On va dire bonsoir à Chic de Stella. Est-ce que nous pouvons demander que vous puissiez partager la page, s'il vous plaît? Partagez dans différentes plateformes, partagez sur WhatsApp, sur Messenger, sur YouTube. Nous sommes là, les rébâtisseurs du temple. Nous sommes partout. Alléluia, alléluia, nous sommes là. Et donc, partagez tout simplement. Est-ce que nous avons le volume ou pas? Est-ce que c'est le micro? On dirait que c'est le volume de la caméra. On dirait que ce n'est pas le volume de la caméra. Ça va s'arranger, nous continuons. Alléluia. Et donc, nous sommes en train de dire, s'il vous plaît, aidez-nous à partager tout simplement. Alors, nous sommes sur YouTube, les rébâtisseurs du Temple. Nous sommes sur Facebook, les rébâtisseurs du Temple. Et nous sommes là avec des réponses aujourd'hui pour vous. Nous disons bonsoir à Kevin Mavela. Que va, Kevin? Que Dieu te bénisse, toi qui es connecté. Chic de Stella, bonsoir chez toi. Leyam Djekoubam, nous disons bonsoir et nous voulons que vous puissiez nous aider à partager afin que les autres puissent aussi bénéficier. Nous disons bonsoir à Célestine Fendé et à toute personne connectée ce soir. Pasteur, tu veux dire un bonjour? Bonsoir, bonjour tout le monde, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci, je voulais seulement demander à la régie de regarder si le micro est vraiment connecté ou bien c'est connecté. Hein? Merci beaucoup. Merci, bonsoir tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Bonsoir Célestine, bonsoir Rokia, Sandy, Mandy, que le Seigneur vous bénisse. Merci. Amen. Amen. Bonsoir donc, maman voilà. Sandra. Bonsoir pasteur. Et bonsoir à tout le monde connecté. Alléluia. Amen. Alors aujourd'hui, comme vous le savez, la semaine passée, nous avons débuté, en fait deux semaines passées, le pasteur avait débuté sur le grand thème du mariage. Mmh. Et la première semaine, il a été là pour nous enseigner. Et la deuxième semaine, nous avons commencé à prendre des questions. Il y a des frères et des sœurs qui ont posé des questions. Et donc aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons répondre à cela. Et nous disons bonsoir à JCC Debonair. God is good all the time. Nous bénissons Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et donc voilà, aujourd'hui nous continuons toujours avec ces grands thèmes qui est le mariage, mais nous allons nous attarder sur le domaine de la construction. Amen. Aujourd'hui nous voulons Amen. Aujourd'hui, gloire à Dieu. Aujourd'hui nous voulons nous attarder sur le domaine de la construction. Amen. Est-ce que nous construisons sur le solide ou bien sur le mou? Est-ce que nous construisons sur le solide ou bien sur l'eau? Est-ce que nous construisons sur le roc ou bien sur le sable? Est-ce que d'ailleurs c'est important? Là déjà nous commençons avec les questions. Est-ce que d'ailleurs c'est important de savoir construire sur le roc ou sur l'eau? Pourquoi? Parce que la personne qui pose cette question, qui avait bien suivi tout ce que vous aviez dit, a dit « Mais maman Sandra, OK, vous dites qu'il faut construire ceci, cela. Mais savez-vous pas qu'il y a des villes qui sont construites sur la mer? Ne savez-vous pas qu'il y a des constructions qui tiennent, mais ces constructions sont construites sur l'eau? Parce que de nos jours, nous voyons plusieurs constructions. Toutes les constructions ne sont pas sur la terre ferme. Nous avons des constructions, nous avons des îles faites par rapport... je veux dire, par les mains des hommes. Nous avons plusieurs choses que les hommes construisent maintenant. Est-ce que c'est important dans ce siècle-ci d'avoir un mariage qui est construit sur le roc ou bien sur le sable?
Bon, ici, on ne parle pas de l'eau, on parle de sable et le roc. Mm-hmm. Donc, il y a une différence entre l'eau et le sable. Donc, on parle du sable et du roc parce que c'est Jésus-Christ lui-même. Mm-hmm. Il a parlé dans Matthieu 7, 24 à 27. Et c'est là où Jésus-Christ a donné cette analogie qu'il faut construire sur le roc et non sur le sable. Parce que la construction sur le sable n'est pas sur un solide qui peut soutenir toute la maison. Maintenant, donc, je veux vous couper un tout petit peu, je vais te couper un tout petit peu. Naomi Moukoko dit, si on peut construire sur le sable, certainement qu'on peut aussi construire sur l'eau. Si on peut construire sur l'eau, cela veut dire qu'on peut construire sur le sable. Bon, on ne parle pas de l'eau, parce que l'eau, c'est autre chose. Donc, le message, c'est le sable et le roc. Donc, la question doit être basée sur le roc ou le sable. Pourquoi on doit construire sur le roc et pourquoi pas sur le sable? Mais bon, nous pouvons lire, hein, Matthieu, ça c'est Jésus-Christ qui parle. Ok, allez-y. Dans Matthieu 7, verset 24, 24 à 27, il dit, « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et le met en pratique sera semblable à un homme prudent qui bâtit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, le torrent sont venus, le vent ont soufflé et sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. » Donc ici, nous voyons déjà que Jésus-Christ est en train de donner l'analogie entre le roc et le sable. Amen. Donc c'est lui qui est le Seigneur des Seigneurs, il connaît la différence. Mais par rapport à la parole de Dieu, on observe qu'il a dit que la maison qui est construite sur le roc, c'est une maison qui est solide, malgré que toutes ces maisons seront attaquées par le vent, par rapport à toutes ces choses-là. Mais la Bible nous dit que, à cause de son fondement, la maison a résisté. Donc, la maison est stable. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne la met pas en pratique est semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, le torrent sont venus, le vent ont soufflé et ont battu sur cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Donc, Jésus-Christ est en train de nous montrer que la maison qui est construite sur le sable, c'est une maison qui n'est pas stable, qui n'est pas construite sur, sur la stabilité, en fait. Et quand le vent viendra, la maison ne pourra pas résister au vent. Pourquoi? Parce que la fondation, donc le problème, c'est la fondation. Parce que toutes ces maisons, quand tu parles de l'eau, on ne construit pas seulement sur l'eau. Les architectes, quand les vrais ingénieurs, ils disent qu'ils entrent jusque-là, ils trouvent le solide et ils construisent là, ils jettent les bétons. Je ne sais pas, parce que malheureusement, je ne suis pas architecte, je ne suis pas aussi ingénieur, mais les ingénieurs disent qu'ils jettent une pierre solide. Parce que je me rappelle une fois, j'avais prêché ce message et un ingénieur, je pense qu'on était aussi ensemble, un ingénieur a parlé, il a parlé de ça, ingénieur d'une église, le frère Joseph, il a dit qu'on jette une pierre solide au fond de la mer. Donc, c'est cette pierre que Jésus-Christ parlait. Alléluia. Donc, il dit que cette pierre-là, c'est cette pierre qui va soutenir toute la maison contre le vent, contre le vent et marée, contre les torrents, contre toutes ces choses-là qui vont attaquer cette maison. Donc, le mariage aussi n'est pas différent d'une maison. Parce que le mariage, c'est une institution, c'est une maison qu'on est en train de construire. Maintenant, le Seigneur Jésus-Christ, lui, Dieu, il ne parle pas en termes de ciment, il ne parle pas en termes d'eau, mais il parle en termes des hommes. Comment maintenant construire un mariage solide? Parce que le vrai problème est là. Souvent, les femmes qui sont entrées dans le mariage ne comprennent rien du tout par rapport au mariage. Les hommes qui sont entrés dans le mariage ne comprennent même pas comment Dieu voit le mariage. Donc, pour nous, on se limite dans l'amour. Mais on ne comprend pas que la construction, moi-même aussi j'étais ignorant de ces informations, on est entré dans le mariage parce qu'on n'a pas été préparé dans ce sens-là. Que Dieu voit le mariage comme une maison qui doit être construite comme un architecte. Donc Dieu a donné l'analogie, il parlait que l'homme est le solide, c'est pour cette raison. Dieu a dit à Pierre, sur cette pierre je bâtirai. Donc il y avait une pierre avant de bâtir quelque chose. Il a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Même pour bâtir son église devait être sur un solide qui s'appelait la pierre. Maintenant, l'église est l'image de la femme.
Mais la pierre est l'image de l'homme, qui est lui-même Jésus-Christ. Et l'homme est l'image de Jésus-Christ, qui veut dire est l'image de la pierre. Donc, l'homme est la fondation de la construction. Et maintenant, la femme doit être bâtie sur l'homme, qui est la pierre. Donc, pour qu'une femme soit solide, il faut que la pierre soit solide. Donc, le vrai problème, pourquoi je suis en train d'entrer dans la fondation? Parce que la fondation est très importante dans la construction. Bon, si la fondation, déjà pour commencer, cette pierre, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus qui est la pierre. Et après Jésus, c'est l'homme, c'est ça? Non, je parle de la construction, l'analogie. Oui, je parle j'ai de fait, la construction j'ai fait le du parallélisme mariage. Du mariage. Et moi, je parle maintenant de la construction du mariage. Non, Jésus, on ne parle pas de Jésus ici. Et Jésus, c'est lui qui nous a donné le plan. Mais je parle de l'Église qui est l'image. Parce que quand Jésus dit, « Femme, soyez soumise à votre mari comme... » Donc, il est en train de dire que l'homme est l'image de Jésus, la femme est l'image de l'Église. Il est en train de faire le parallélisme. Donc, il n'y a pas une troisième personne jusque-là dans son idée, comme il est en train de faire le parallélisme. Donc, l'homme est comme Jésus, la femme est comme l'Église. Donc, de la même manière que l'Église dépend de Jésus-Christ, qui est la tête, la femme aussi doit dépendre de l'homme qui est la tête. Et ça, c'est une très bonne chose maintenant, que tu viens de dire. Vas-y. Maintenant, je parle maintenant de la fondation. Maintenant, si la tête n'est pas bien bâtie, donc cela veut dire que le corps aura des problèmes. Parce que le corps doit dépendre de la tête. Quand tu parles de cette dépendance, que la femme doit dépendre de l'homme. Nous parlons de la dépendance. Dans quel domaine es-tu en train de t'attarder? Tu parles de la dépendance. C'est dans quel domaine, au fait? Non, je parle du mariage. J'ai bien fait l'analogie. Je parle de la construction. Parce que pour qu'un bâtiment soit solide, le bâtiment doit être fondé sur la fondation. Oui, je veux bien. Mais lorsque tu nous dis que la femme doit dépendre comment? Est-ce que tu peux être un tout petit peu explicite pour nous dire comment est-ce que la femme doit dépendre de l'homme? Je parle du soutien. Par exemple, la femme doit être soutenue par l'homme, doit dépendre de l'homme. Dans quel sens? C'est par rapport à l'analogie que Jésus-Christ a donnée. Parce que l'Église dépend pour recevoir. Parce que quand je parle maintenant de la tête, pour recevoir, c'est la tête qui donne les instructions. Ce n'est pas le corps qui donne les instructions. C'est la tête qui est l'appareil qui donne les instructions. Donc, c'est la tête, c'est là où elle est. C'est la tête qui est les yeux. Parce que le corps dépend de la tête. C'est dans ce sens-là. Pour la direction, je parle de la direction du mariage. C'est le corps qui dépend de la tête. Donc, quand les yeux voient, la tête donne l'information, le corps exécute les informations de la tête. Le nez sent qu'il y a un danger, le gaz, comment le corps peut fuir? C'est à partir de l'instruction de la tête et le corps obéit, suit ce que la tête dit. Parce que c'est la tête qui doit recevoir ces informations. L'information, par exemple, il y a le gaz, ou bien tu as entendu un danger qu'il y a quelque chose qui est en train de tomber, c'est la tête qui reçoit les informations. Donc, quand la tête reçoit les informations, c'est comme ça que le corps qui va aider maintenant la tête à fuir. Donc, c'est ça ce qu'on appelle le mariage. Donc, il y a la complémentarité, pardon. Donc, on est en train de se compléter. Donc, la tête est en train d'aider la tête, pardon, le corps est en train d'aider la tête à exécuter ce que la tête est en train de dire. Non, maintenant, l'Église est attachée à la tête, qui est Jésus-Christ, et l'Église ne pourra pas fonctionner en tant qu'Église. Je parle dans le contexte de l'Église, dans le contexte du mariage. Je ne parle pas en tant qu'indépendant. Donc, dans le contexte du mariage, dans ce secteur-là, la tête est très importante dans ce sens-là. Et le corps est très important pour recevoir les directives de la tête. Maintenant, s'il n'y a pas ce mariage-là,
il n'y a pas cette vision, il n'y a pas cette vision unie ensemble, il y aura la division. Donc, mais mon message d'aujourd'hui, je suis en train de parler plus de la fondation. En fait, ce n'est pas ton message, je suis venu avec des questions. Non, je parle de message. Les questions n'est pas un problème, je parle de message. Mmh. Je parle de la fondation, la fondation pour qu'une maison soit soutenue. Parce que selon le verset, la Bible est claire. Le vent viendra. On va attaquer l'institution qui est la fondation et le bâtiment. Donc, maintenant, pour que le bâtiment, parce que la Bible est très claire ici, la Bible est en train de dire, pour que le bâtiment soit solide, stable, tout cela dépend de la fondation. Il parle que la maison pourra seulement tomber lorsque la fondation sera solide. Non, lorsque la maison ne sera pas solide, qui veut dire le sable. Donc, quand la femme, parce que la femme spirituellement, parce que même si je ne parle pas de physiquement, je parle d'abord spirituellement, la femme et l'homme, selon Dieu, vous êtes un, vous êtes attaché. Mais maintenant, si maintenant la fondation n'est pas bonne, parce qu'ici on ne parle pas, si nous remarquons dans ce verset, on ne parle pas de tout le bâtiment, on parle plus de la fondation, qui est le sable, la première fondation qui est le sable, et la deuxième fondation qui est le roc. Maintenant, le roc, c'est la pierre, c'est l'homme. Maintenant, quand Dieu maintenant a dit que mon église, maintenant il parle maintenant de l'église, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc, l'église sera bâtie sur la pierre. Donc, l'efficacité de l'église dépend de la solidité de la pierre. C'est ça ce que je dis maintenant. La femme, pour que le mariage soit solide, pour que la femme soit solide, elle dépend de la pierre. Et nous voyons le cas de Ève, qui veut dire que la pierre, Dieu avait donné l'instruction à la pierre qui était l'homme. Mais comme l'homme, imaginez un peu, quand la femme avait mangé, qu'est-ce qui s'était passé? Quand la femme avait mangé de fruits. Quand la femme avait. Rien ne s'était passé. Exactement, rien ne s'était passé. La chose s'est passée seulement lorsque l'homme a mangé. Et la Bible nous dit, soudainement, ils ont vu, leurs yeux étaient ouverts. Mais quand la femme avait mangé, rien ne s'était passé. Donc, ça veut dire, même dans la construction de la maison, quand le toit est détruit, il n'y a pas vraiment de problème, on peut arranger le toit. On peut dire, OK, cette maison est encore récupérable, tout ça, tout ça. Quand la fenêtre est détruite, on peut toujours arranger la fenêtre, tout ça. Mais quand il y a une fissure dans la fondation, même si le toit est bon, on va dire qu'il y a un problème, on doit détruire cette maison. Pourquoi? Parce que cette maison est devenue un danger pour le public. C'est la fondation. Et ça, c'est dans l'architecture normale. Quand il y a la fissure, déjà dans la fondation, il y a un problème. Mais quand il y a la fissure dans le toit, il n'y a pas de problème. On peut arranger, on peut mettre ceci, mais le problème, c'est la fondation. Et c'est ça le vrai problème. Et le problème qu'on a souvent, c'est dans l'incompréhension de la fondation. Quel est le rôle de la pierre? Parce que la femme, quand je dis elle doit être soutenue par l'homme, ou bien dépendre de l'homme, parce que la femme est le premier bébé de l'homme. Je pensais que c'était les hommes qui étaient nos bébés, parce que c'est nous qui mettons au monde. Ah, mais quand j'ai même analysé, souvent, les femmes appellent leur mari des daddies. Ou bien les papas. Souvent. La plupart. Je veux te dire pourquoi. C'est parce que, au fait, avant que la femme ne puisse mettre au monde, elle appelle son mari par son nom ou bien par un petit nom. Mais c'est lorsque les enfants naissent et que les enfants appellent papa, papa, la femme aussi change sa façon d'appeler. Mais je parle en tant que femme, mais ça ne se passe pas vraiment comme ça du coup que la femme va appeler son mari papa. Non, je dis ça pas du tout. Ça se passe quand les enfants naissent et que les enfants appellent papa, papa, et la maman aussi commence à dire oui, allez chez papa. Papa fait ceci, papa fait cela. Mais nous, je pense que les femmes vont être d'accord avec moi
Nous pensions que vous étiez nos bébés. Et tu nous dis le contraire. Dis-nous non, un peu. Non, c'est le contraire. Oui, vas-y. C'est le contraire. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de femmes qui appellent leurs hommes des bébés. Si, si. Mm-hmm. Mais quand nous voyons, même dans les films, nous voyons baby, baby, ce sont les hommes qui appellent. Souvent. Mes bébés. Et souvent, ce que j'ai remarqué aussi, les femmes appellent leurs maris des papas ou des daddies. Ce n'est pas nécessairement les enfants. Mais je parle dans le contexte de la Bible. Dans le contexte de la Bible, la femme est le premier bébé de l'homme. Et c'est l'homme qui est normalement responsable. Parce que quand la femme, généralement dans la femme, elle a besoin d'être soutenue par quelqu'un. C'est dans ses gènes. La femme a besoin d'être soutenue. Elle a besoin d'une figure comme d'un père. Et c'est pour cette raison, on n'a jamais dit « la femme quittera ». Normalement, selon Dieu, la femme n'a jamais quitté. C'est seulement l'homme qui quitte son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Donc, la femme a toujours le rôle de recevoir quelque chose de son père. Parce que le père, d'abord la définition du père, veut dire, en hébreu, veut dire « Abba ». Abba veut dire c'est lui qui soutient, c'est lui qui est la source, c'est le pourvoyeur. Même la femme, et souvent les femmes, là, aucune femme va me contredire. Peut-être qu'on va contredire, on va dire toujours. Surtout le verset qu'ils interprètent. Mais le verset, même s'ils interprètent ça mal, mais je parle de la façon de. Je ne parle pas de l'interprétation de l'herméneutique, mais je parle le concept de, qui est inné en eux. La femme dit très bien, mes désirs seront portés sur qui? Sur vous les hommes. Donc, la femme veut toujours voir son homme comme la source de provenance. Même si elle travaille, l'argent de la femme dit que c'est son argent. L'argent de l'homme, la femme dit encore que c'est son argent. Donc, ton argent, homme, c'est mon argent aussi, mais son argent, elle, c'est son argent. Ce n'est pas notre argent. Et souvent, c'est dans la nature de la femme. Parce que la femme a besoin, comme elle a été soutenue par son père, et elle a toujours cette image qu'elle puisse être toujours soutenue par son mari, comme son père, dépendre de son mari. C'est quelque chose qui est inné en elle. C'est une chose qui est innée en la femme, mmh. dans toutes les femmes du monde, certainement, mmh. que les femmes doivent dépendre des hommes. Mmh. Maintenant, c'est très bien de dire que c'est l'homme qui est la tête, qui a les yeux, qui voit le danger, qui sent le danger, qui entend quand le danger arrive et ainsi de suite, mm-hmm. et que l'homme doit protéger. Mais ce n'est pas toujours ça que nous voyons. Et d'ailleurs, nous voyons les mariages aujourd'hui, nous ne voyons pas vraiment le soutien que l'homme apporte à la femme. Mais c'est exactement ce que je suis en train de dire. J'ai dit bien, le thème c'est quoi? Le sable et le roc. Donc, les mariages, ce que vous ne voyez pas, c'est parce que les mariages sont construits sur les sables. Parce que c'est le sable, c'est l'homme qui n'a pas compris sa responsabilité. Quand l'homme n'a pas été formé, ce n'est pas que l'homme ne veut pas. Le problème, ce n'est pas de vouloir. Le problème, c'est de l'instruction. Il n'a pas la connaissance de sa responsabilité. Moi, personnellement, je n'ai jamais été appris dans ce sens-là. On a observé, mais l'observation, on ne sait pas exactement pourquoi. Parce qu'on peut dire que toi, homme, tu es ceci. Personne ne m'a jamais dit. Oui, mais nous apprenons pourquoi. Aussi par observation. Mais l'observation, tu sais, c'est pas suffisant. Parce que si on ne te dit pas pourquoi tu dois faire ça, on ne te dit pas. Mais tu vois par observation, ton père est en train de faire quelque chose. Tu vas répéter la même chose. Tu vas répéter la même chose sans la connaissance. Et tu peux aussi faire le contraire. Bien sûr. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la connaissance. Mais quand tu as la connaissance, et la Bible est claire par rapport à la connaissance, la Bible dit, mon peuple périt non par manque de puissance, mais par manque de connaissance. Par exemple, aujourd'hui, tu peux dire un verset biblique, il y a plusieurs personnes, parfois, ils disent des choses qui sont conformes à la parole de Dieu, conformes au contexte d'aujourd'hui, de l'Alliance. Mmh. Et après, ils prêchent le lendemain, ils prêchent autre chose qui est contraire, mais ils ne savent même pas. Pourquoi? Parce qu'il ne marche pas par rapport au principe. Et connaître le principe, et c'est très important. Parce qu'il y a plusieurs hommes qui ne savent pas. Parce qu'ils sont en train de vivre par rapport au vent du contexte actuel sans connaître
la fondation, le principe que Dieu a fondé, a posé. Par exemple, on peut dire que le mariage en Europe, c'est différent parce que nous sommes en Europe. Il y a des choses, le contexte en Europe qui ne nous permet pas de faire certaines choses. Et en Afrique, par exemple, quand nous, on grandissait, il y a des choses qui étaient un peu, qui étaient du tout différentes par rapport au contexte actuel. Mais nous, en tant qu'hommes, quand tu connais, peu importe le contexte dans lequel tu habites, mais quand tu connais le principe que tu es le roc, que tu dois être le roc et non le sable, tu vas comprendre ta responsabilité. Tu vas comprendre que toi, parce que Jésus-Christ, il nous parle dans Éphésiens, il a dit, homme, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. J'aime ça. Non, pardon. Oui, comme Christ a aimé l'Église. Merci parce que tu l'aimes. J'aime. Mais comme et Christ... Il y a une question qui vient, ouais. Vas-y. Comme Christ a aimé l'Église. Donc, maintenant, pour que l'homme puisse comprendre comment aimer sa femme, il doit comprendre comment d'abord Christ a aimé l'Église. Mais si l'homme ne comprend pas, il a entendu seulement Christ a aimé l'Église, mais il ne comprend pas qu'est-ce que Christ fait pour l'Église, l'homme ne va jamais comprendre. Donc moi, je pense que beaucoup de mariages ont des problèmes parce que la fondation a des problèmes. Parce que jusque-là, je ne parle pas du bâtiment, je ne parle pas de la femme. La femme, c'est pour montrer d'abord la responsabilité du roc. Parce que si on a rangé, comme j'ai dit, quand il y a la fissure dans la fondation, la maison est en danger. Mais quand il y a la fissure dans le toit, la maison n'est pas vraiment en danger. On peut arranger, on peut faire ceci, mais la fissure dans la fondation, même si la maison est bien construite, même si le toit est toujours en bonne uniforme, même si les fenêtres sont bien bâties, même toutes ces choses-là, les murs, mais quand il y a le problème dans la, ou sur la fondation, dans la fondation, la maison est en danger. Et c'est ce que Jésus-Christ est en train de nous dire. Il est en train de dire... L'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Alors que nous sommes en train de parler de ce mariage, nous nous attardons certainement sur les mariages chrétiens ou bien nous sommes en train de parler de tous les mariages. Bon, jusque-là, je m'adresse au mariage selon la parole de Dieu. Donc, chrétien, alors. Le mariage selon la parole de Dieu. D'accord. Même si tous les mariages, s'ils veulent que leur mariage puisse marcher, il faut, selon les principes, je suis en train de parler du principe de la parole de Dieu. D'accord. Oui, si c'est le mariage selon la parole de Dieu, donc on va appeler ça, in layman term, le mariage chrétien. Certainement que cet homme a certainement déjà entendu que Christ a aimé l'Église qu'il s'est donnée pour lui. Certainement que l'homme a déjà entendu cela de la bouche de son pasteur, ou bien je ne sais pas où, ou bien il l'a déjà lu, parce que nous supposons que cet homme est quand même un chrétien. Même si c'est un chrétien charnel, c'est un chrétien. L'homme doit aimer la femme et se donner pour lui. Mais pasteur, est-ce que tu penses que, pour elle, merci, tu penses que aujourd'hui les hommes se donnent pour leur femme? Entendre quelque chose et expliquer la chose, c'est deux choses différentes. Tu peux entendre. Mais nous partons à l'église, on nous a déjà expliqué ces choses. Non, pas nécessairement. Pas nécessairement. Tu peux entendre, mais tu ne sais pas. On ne t'a pas expliqué, parce que l'explication et la déclaration, c'est deux choses différentes. Parce que quand on parle de prêcher et d'enseigner, prêcher vient du mot prédire. Yes. Prêcher, c'est là où prêcher, ça vient du mot prédire. Enseigner, c'est là, dans l'enseignement, on explique. On doit décortiquer comment Christ a aimé l'Église. On doit décortiquer. Parce que les hommes ont compris, ok, mais ils ne comprennent pas en réalité parce qu'ils n'ont pas été expliqués dans ce sens-là. Parce que quand nous voyons dans Hébreux 1er verset 3, la Bible dit que Dieu, lui, c'est lui qui a créé le ciel. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Mais il soutient toute chose par sa parole. Je parle de ce soutien-là. Il a créé la terre. Donc, dans d'autres versets, la Bible nous parle que, je crois que c'est aussi dans Jacques 1er, verset 17, on dit que Dieu est le Père de lumière. Et dans d'autres versets, dans Corinthiens, la Bible dit, je crois que c'est 1 Corinthiens 8, la Bible nous dit que Dieu est le Père de toutes choses. Donc, il est le père de la création. Il est le père des hommes, non seulement le père des hommes, le père de la création. De toute chose, oui. Et maintenant, la Bible dit, il soutient cette création par sa parole. Amen. Donc, non seulement que le père a fait naître la création, mais il soutient aussi cette création.
Donc maintenant, nous, l'image, nous avons l'image du Père, parce que nous sommes des pères. Et en tant que père, le mot père vient du mot Abba en hébreu. Abba qui veut dire la source, c'est lui qui soutient, c'est lui qui maintient. Donc si Dieu, parce que si quand je disais que la femme est le premier bébé dans le sens que la femme est le premier bébé de l'homme, et on a entendu quand on grandissait, mais aujourd'hui je comprends, mais on n'en a jamais expliqué, que le premier bébé, d'abord la première femme et la voiture, on parlait par exemple que la voiture c'est la deuxième femme. Mais pourquoi? Pourquoi on donnait cette analogie? Pourquoi on ne dit pas que l'homme et la femme doivent soutenir l'homme comme la voiture? Parce que toutes les dépenses que tu es en train de faire pour la voiture, on est en train de te dire que tu dois faire ces dépenses pour la femme. Parce que la femme coûte cher, que la femme ceci. On a entendu cela. On a entendu, mais est-ce que nous voyons ces choses se passer aujourd'hui? Parce que c'est très bien de dire que l'homme est ceci, l'homme est cela, mais la réalité, ce n'est pas ce que nous vivons. Exactement. Ce n'est pas ce que nous voyons. Et donc, nous commençons à nous poser des questions si réellement les hommes sont ce qu'ils doivent être. Mais exactement, c'est là. C'est exactement, tu es en train d'entrer par rapport à tes questions. Tu entres dans ma pensée. Parce que pour cette raison, j'ai dit le sable, le roc. Donc aujourd'hui, 99%, si je peux m'hasarder à le dire, 99% des hommes sont des sables. Et c'est ça le vrai problème. Le problème, ils ne sont pas des sables parce qu'ils le veulent. C'est parce qu'ils n'ont pas la connaissance. C'est pour cette raison, aujourd'hui, je suis là pour rétablir la connaissance. D'abord moi-même, rétablir la connaissance par rapport à moi-même et par rapport aux hommes. Je pense que ça va être trop facile si les hommes vont certainement se cacher derrière cette chose que tu es en train de dire, qu'ils sont en train de manquer la connaissance. Je pense que ça va être trop facile d'aller dans ce sens-là. Parce que quelque part, je pense qu'ils ont quand même entendu des messages, surtout si ce sont des chrétiens. On nous a expliqué ces choses à l'église, mais ils font tout simplement la sourde oreille. Je ne pense pas que c'est parce qu'il manque la connaissance. Moi, je pense que c'est ça. Pourquoi? Parce que moi-même, je suis chrétien, ça fait 30 ans. Oui. Je n'ai jamais entendu ça. On n'a jamais... Tu n'as jamais appris que l'homme doit donner sa vie comme Christ a donné sa... Non, j'ai dit bien déclaré. J'ai bien parlé de la déclaration, pas l'explication. Je n'ai jamais entendu. J'ai fait 30 ans dans l'église, je n'ai jamais entendu. On n'a jamais fait le séminaire des hommes pour nous expliquer... comment l'homme doit être, que l'homme est ceci, l'homme est cela. Non. Pour dire que l'homme doit être, ce sont des déclarations. Par exemple, quand on dit que la femme doit être soumise, mais pour expliquer quel est le danger de ne pas être soumise, quel est ceci, pourquoi on dit que la femme doit être soumise, pourquoi ceci, est-ce que c'est la domination? Parce que plusieurs femmes disent que c'est la domination. C'est comme ça qu'elles les interprètent. Parce qu'on n'a pas expliqué que ce n'est pas la domination. Beaucoup de femmes pensent que quand on parle de la soumission, on est en train d'enlever sa personnalité. Beaucoup de femmes pensent que quand on parle de la soumission, on est en train... Or, selon Dieu, on parle de plus de la protection. Quand on parle du chef, on ne parle pas du patron. Beaucoup de femmes ne savent pas ça. Et moi-même, moi j'étais dans l'église, donc je parle par rapport, j'ai fait 30 ans dans l'église. Les femmes certainement vont dire, tu nous parles de la soumission, tandis que l'homme ne fait rien, ne fait pas ceci, et moi je veux me soumettre. Dans quel sens? Non, je parle jusque là, exactement, c'est ce que je suis en train de dire. J'ai dit qu'il n'y a pas eu des explications. Les gens disent seulement, par exemple, quand les gens disent, ça c'est un exemple, c'est un autre exemple, c'est un exemple un peu différent, quand les gens disent qu'il faut écouter Dieu. Mais est-ce qu'ils expliquent comment écouter Dieu? Non. C'est pour cette raison que la majorité des enfants de Dieu n'écoutent même pas la voix de Dieu. Parce que quand la Bible dit, Jésus dit, mes brebis entendent ma voix. Et ce sont des choses élémentaires. Mais dans l'église, est-ce qu'on prêche ça? Dans l'église, ils ne prêchent même pas ça. Ils prêchent autre chose. Que vous serez bénis, vous serez ceci. Dieu va faire ceci. Dieu va vous délivrer. Ils ne nous expliquent pas comment Dieu va le faire. Le vrai problème, c'est le comment. Ce n'est pas de dire ce que Dieu va faire. Bien sûr, Dieu va faire ça. Mais comment maintenant Dieu va faire, c'est ça le vrai problème. Parce que c'est comme si tu as une télévision. Tu as une télévision, tu as acheté une télévision qui a la capacité de faire plusieurs choses. Mais quand on ne te montre pas le comment de la marche de cette télévision, même si tu as la télévision, tu ne pourras pas.
C'est par exemple comme au téléphone. Il y a plusieurs options dans le téléphone. Moi, j'avais un téléphone que j'ai. Il y a d'autres options que j'ai apprises après que le téléphone était presque à sa mort. À sa mort. Et c'était aussi par hasard. C'était par un accident que j'avais appris l'option d'un téléphone. Mais je ne savais pas pourquoi il n'y avait pas le manuel. Parce que quand tu peux acheter quelque chose, mais quand tu n'as pas le manuel, et le manuel est là pour nous expliquer comment cette chose doit marcher. Quand tu ne sais pas le comment, tu auras des problèmes. La Bible dit, mes brebis entendent ma voix. Mais combien de gens prient, ils n'entendent même pas la voix de Dieu, mais quand on les demande qu'ils ont prié, qu'est-ce qu'ils disent? Oui, on a prié. Bon, maintenant, qu'est-ce que Dieu a dit? Ils ne savent même pas que la prière, c'est le dialogue, ce n'est pas le monologue. Et il y a plusieurs personnes qui font le monologue. Est-ce que dans l'église, on explique ça? J'ai fait 30 ans, je n'ai jamais entendu ça. C'est ce que j'ai entendu. Écoutez Dieu. Hein? Il faut que Dieu vous parle. Soyez remplis du Saint-Esprit. Est-ce qu'ils expliquent? Rare. Comment être rempli du Saint-Esprit? Mais entre-temps, Ephésiens nous parle comment? C'est par les psaumes, c'est par les hymnes. Il y a plusieurs personnes qui ne savent pas qu'on parle d'être rempli comme. Ne soyez pas ivre. On a fait la comparaison. On a fait l'analogie ou le parallélisme entre une personne qui a été saoulée par la bière ou par le vin et une personne saoulée par l'esprit. Quand on fait ce parallélisme, en d'autres termes, les pasteurs devaient expliquer que la bière de l'esprit, c'est le psaume. Ce sont les hymnes. C'est ceci, c'est la parole. Il y a quand même des pasteurs qui expliquent, mais c'est il y a quelques pasteurs. Moi, quand j'ai reçu, quand je parle maintenant de cette explication, je l'ai reçu quand? Après plus de 20 ans dans ma vie chrétienne. Plus de 20 ans dans ma vie chrétienne que j'ai appris cela, que le vin, c'était cela. Mais je lisais, et personne ne disait. Personne n'expliquait, parce que le pasteur, qu'est-ce qu'il disait? Soyez remplis du Saint-Esprit. Oui, mais si ça se trouve, le pasteur lui-même ne sait pas. On donne que ce qu'on a. Mais c'est ça le problème. C'est ça le problème. Quand les parents, le père est supposé, en tant que parent, nous sommes supposés d'apprendre à nos enfants. Mais si nous-mêmes, on n'a pas été appris, parce que quand on parle du mariage, nous, les parents, est-ce que nos parents nous ont appris ça? Non. Il y a des choses qui nous ont pas appris. Il y a quand même des parents qui ont appris à leurs enfants. Je parle généralement, en tout cas, si nous avons des problèmes, parce qu'on n'a pas été enseigné par nos propres parents d'abord. Ils ne nous ont pas appris comment une femme doit être, comment un homme doit être. C'est pour cette raison qu'on a beaucoup de problèmes. Il y a d'autres personnes qui sont en train de s'en sortir. Ce n'est pas parce qu'ils ont appris. Dans s'en sortir, par exemple, dans la vie, tout ça, ce n'est pas parce qu'ils ont appris, mais parfois c'est la vie. Par exemple, il y a plusieurs personnes qui sont en train de se débrouiller ici en Europe. Ce sont des personnes qui ont souffert. Et ils ont appris que pour gagner, pour faire ceci, ils ont fait des efforts. Aujourd'hui, ils ont fait des efforts. OK, ils ont étudié, ils ont fait des efforts. Mais la plupart des gens qui n'ont pas été préparés par leurs parents, ils ont des problèmes. Et dans le mariage, c'est pareil. Quand la maman ne t'a pas préparé, comment une femme doit être? Quand ton papa ou les parents ne peuvent pas préparer les hommes, comment être? Et en Europe, on va adopter le contexte de l'Europe. Par exemple, quand nous sommes venus en Europe, il y a ceci, les hommes ont fermé les bras, ont fermé ceci, ils ont compris que c'est comme ça. Mais quand tu comprends le principe, tu vas comprendre que ce n'est pas comme ça que ça marche. Que toi, en tant qu'homme, tu dois être le soutien de ta femme, tu dois être le roc. Donc, si nous comprenons bien, en tant qu'homme, l'homme doit pourvoir. Quand on parle de soutien, la pasteur, please, donne-nous un mot que nous allons comprendre facilement. Non, je suis en train de dire que l'homme, c'est l'homme qui est la source. Oui. Parce que Jésus-Christ est la source. Okay. Je ne parle pas, ce que je suis en train de dire, je ne parle pas je n'oblige pas les hommes. Je suis en train de parler des principes pour la bonne marche. Des principes parce que les hommes. Les hommes, en réalité, spirituellement, émotionnellement, matériellement, les hommes doivent être la source. Parce que le mot père, qui veut dire Abba, qui veut dire source, qui veut dire le maintien. Donc l'homme, tu dois maintenir ta maison. Tu dois maintenir, c'est toi qui es l'homme. L'homme, tu dois supporter. Tu es le protecteur, me protéger spirituellement. D'accord. L'homme est la source spirituellement, émotionnellement, matériellement, financièrement,
il doit pourvoir donc, ouais. toutes ces choses-là. Ça, c'est la capacité de l'homme. Ça, c'est ce que l'homme doit faire. Selon Dieu. Selon ça, Dieu. Ouais. C'est ce que l'homme doit faire. Mm-hmm. Les femmes, j'espère que vous êtes en train d'écouter ce que les hommes doivent faire. Maintenant, un homme qui ne supporte pas spirituellement, un homme qui ne supporte pas émotionnellement, un homme qui ne supporte pas financièrement, matériellement. Selon les principes. Selon les principes de Dieu. Selon les principes. Est-ce que la femme doit se soumettre à un homme pareil? Non, ça, je ne parle pas vraiment de la soumission. Ça, ce sont les questions que les femmes ont posées. Oui, je ne parle pas vraiment de la soumission. Ce que je suis en train de dire... Lorsqu'il y a une question, il y a une réponse. Oui, moi, je parle surtout du soutien. J'ai dit que la maison sera en danger. Mm. La femme, normalement, selon les principes, la femme doit se soumettre en toute chose. Mais il y aura un problème. Mm. Parce que la Bible est claire que la maison sera attaquée par la pluie. Mm. Il y aura le torrent. Il y aura des tempêtes. Quand la femme ne sent pas le soutien de l'homme, ne sent pas la source, que l'homme n'est pas la source de provenance, l'homme n'est pas cela, la femme sera stressée. Et la Bible est claire que cette maison tombera. Mm. La maison tombera. Ça peut être par des discussions, ça peut être par ceci, la femme. Ce n'est pas que, est-ce que la femme doit être soumise? La femme doit être soumise, mais est-ce que la femme sera soumise? Non, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que la femme sera soumise. Donc, pasteur, pour toi, selon les principes, mm-hmm. parce que moi, je pose tout simplement... oui, on dit que c'est une très bonne question, maman. Mm-hmm. Je pose les questions parce que j'ai reçu des questions. Mm-hmm. Maintenant, la femme qui se plaint, qui m'appelle, qui dit « Maman Sandra, j'en ai marre. » Cet homme... spirituellement, on ne peut même pas parler. On ne sait même pas si on doit dire que c'est un bébé ou bien il n'est même pas encore né. Spirituellement, il ne fait rien. Émotionnellement, au fait, il est en train de me drain. Il est en train de m'emmener vraiment au plus bas niveau. Matériellement, financièrement, il ne fait rien. Ni pour moi, ni pour ses propres enfants. Et cet homme s'attend à ce que je me soumette. Maman Sandra, qu'est-ce que tu dis? Moi, je parle, je veux parler, bien sûr. Moi, je ne veux pas aller selon ce que j'appelle les symptômes. Mm. Tout ça, ce sont des symptômes. Mais moi, je parle par rapport à la racine. Yes. Donc, tout ça, ce sont des symptômes. Mais la racine, c'est quoi? Je vois comme Dieu. Enfin, en d'autres termes, je veux dire, je veux voir comme Dieu. On est en train de demander si on peut faire un téléphone ouvert WhatsApp. Oui, on peut. Hein? Pourquoi pas? C'est ton numéro qu'il faut donner alors. C'est quoi ton numéro? 0044 77 284 01 698. Donc. Alors, si vous voulez appeler et vous n'avez pas besoin de donner votre nom, si vous voulez appeler sur WhatsApp ou bien téléphone normal, vous pouvez nous appeler. Le numéro sera affiché sur vos écrans. Parce que j'ai vu un message comme quoi, est-ce que nous pouvons avoir un téléphone ouvert? Alors, si vous avez une question par rapport à ce thème, n'hésitez pas à poser la question, bien que nous sommes déjà en train de tendre vers la fin. On va continuer la semaine prochaine le même message. D'accord. Et le même, au lieu de changer d'autres, nous allons continuer par rapport aux questions. Ouais. Mais je disais, c'est pour cette raison, quand j'ai dit que je parle par rapport à la vision des dieux, comment Dieu voit. Pour cette raison, quand nous voyons dans Malachie 3:24, la Bible dit... Dieu, il ramènera, il va restaurer les cœurs des pères. Le problème, c'est de restaurer d'abord les pères. Pardon, pasteur. 0044 for people outside England. 0044, remove the zero and then you start. 44. Yeah. Donc, il dit, il doit d'abord restaurer. Le vrai problème, c'est avant de restaurer, de parler de la femme. Je parle plus de la fondation, parce qu'on est en train de construire. Parce que j'ai mon frère, j'ai deux frères qui sont des ingénieurs. Ils peuvent, en fait, mon frère, c'est lui qui est ingénieur civil, pouvait, s'il était là live, il pouvait me dire la chose la plus importante. On commence comment? Par la fondation. Donc, pour construire une maison. Donc, Dieu aussi,
il ne s'inquiète pas d'abord du toi. Il ne s'inquiète pas d'abord de la femme. Il s'inquiète d'abord de l'homme. Et quand l'homme avait mangé le fruit, c'est là où le monde était entré en danger. Ce n'est pas quand la femme avait mangé. C'est pour cette raison que la Bible dit « La femme a été séduite, mais l'homme a péché. » Mais pourquoi? Comme on voit, moi, avant, je pensais que c'était injuste, mais c'était la femme qui avait pris le fruit avant. Donc, c'est la femme qui avait péché. Les instructions n'ont pas été données à la femme. Exactement. Parce que quand l'homme protège, quand l'homme, même spirituellement, quand il ne pêche pas, il ne peut, même si la femme fait des choses, des bêtises, mais quand l'homme ne le fait pas, l'homme protège la famille. Il protège les enfants parce que c'est lui le gardien du foyer. Spirituellement, c'est l'homme. Parce que c'est lui qui a les yeux. Quand on parle de la tête, on n'a jamais vu les yeux sur le corps. Mais aujourd'hui, c'est ce que nous voyons. Le corps a des yeux. Le corps a des oreilles. Mais parce que l'homme ne fait rien. Mais c'est ce que il faut bien que le corps puisse se débrouiller. Exactement. C'est pour cette raison, Dieu maintenant, quand le corps est en train de se débrouiller, qu'il se débrouille ou pas, le problème, la destination sera la destruction. C'est ce que la Bible nous dit. Quand tu construis sur le sable, la maison tombera toujours. Et c'est pour cette raison, Dieu est en train d'abord de reconstruire. Quand on parle maintenant, notre ministère s'appelle les rebâtisseurs. Il y a une femme qui pose une question, pasteur. Oui. La femme dit, pasteur Patrick nous a dit que la femme est le bébé numéro un pour son homme. Et cette femme dit, pourquoi moi je souffre? Et elle, parce que je ne veux pas citer son nom. Pourquoi est-ce qu'elle souffre? Et je sais aussi qu'elle n'est pas la seule. Pourquoi les femmes souffrent? Si nous sommes réellement des bébés pour nos hommes, pourquoi nous souffrons? Parce que les hommes n'ont pas pris leur responsabilité. C'est pour ça que je suis en train de dire qu'ils n'ont pas pris. Il y a d'autres qui ne. Moi, je pense d'abord, 99%, 99%, je pense qu'il y a plusieurs hommes qui sont ignorants. C'est ça mon vrai problème. Est-ce que tu n'es pas en train de dire ça juste parce que tu veux prendre. Non, je ne prends pas. Non, non. Leur partie. Si je prenais. Moi, j'ai bien dit, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, je ne suis pas homme, je ne suis pas femme. Je suis le représentant des dieux. Donc, je parle par rapport à la vision de Dieu, pas par rapport à ma vision. Amen. Donc, comme un architecte, il n'y a pas de sentiment ici. Il n'y a pas d'âme. Ici, c'est la pensée. Ce sont des principes que je suis en train d'établir. Donc, quand je parle par rapport à la vision du royaume. Peut-être si c'était par rapport à mes sentiments, j'allais dire non, non, Dieu, c'est injuste. Mais c'est Dieu qui est le constructeur du mariage. C'est lui qui a construit, c'est lui qui a fabriqué le mariage. Yes. Il est en train de nous dire, pour que le mariage puisse marcher, il faut suivre ses principes. Amen. Parce que c'est lui qui a fabriqué, par exemple, la Mercedes. Et moi, quand j'ai un problème, je dois aller au garage de la Mercedes pour changer la pièce. Mais si, par exemple, je pars à la maison Renault, il ne pourra pas. Ils vont mettre des pièces de la Renault dans la Mercedes. Et c'est la Mercedes souffrira. Exactement, c'est ça. Le mariage est en train de souffrir. La femme est en train de souffrir parce que les hommes n'ont pas compris leur responsabilité. La responsabilité de l'homme, d'abord, c'est pour cette raison, quand nous voyons Malachie 3, 24, la responsabilité de l'homme, c'est de comprendre sa position. Dieu est en train d'abord de restaurer, il a dit, je suis en train de restaurer. Nous avons un message, nous avons un appel. Oui, allô, bonsoir. Allô, bonsoir, est-ce que vous pouvez tout simplement. Oui, allô, bonsoir. Si vous pouvez diminuer votre volume. Diminuer votre télévision, s'il vous plaît. Pour que nous puissions. Oui, allô. Allô? Si vous pouvez diminuer le volume de votre télé. Oui, bonsoir. Télé. Bonsoir, pasteur Patrick. Bonsoir, maman Sandra. Bonsoir. Vraiment, que Dieu vous bénisse pour cette très, très belle émission. Amen. Je l'ai dit, c'est vraiment très, très profond. Donc, mais j'ai une préoccupation, une question. Oui. Allô? Oui, oui, oui. Allez-y, nous écoutons. Oui, j'ai une préoccupation pour une question pour le pasteur Patrick. Oui, allez-y. Ma question est celle-ci. Parce qu'il il nous a dit que selon le principe biblique, normalement c'est l'homme qui a l'homme qui doit voir en fait. Oui. Mais le problème que nous avons aujourd'hui, c'est parce que le corps voit un peu, quoi.
Oui. Bon, j'aimerais que tu puisses un peu nous expliquer ce problème de... Quand il parle de vision de l'homme, il parle de la vision du couple ou bien de la vision, par exemple, personnelle de la femme, parce que la femme aussi peut avoir une vision personnelle où elle voit, tout à fait, où elle perçoit peut-être des choses, quoi. Donc, j'aimerais qu'il explique un peu, qu'il clarifie un peu ces côtés-là. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Ça, c'est ma préoccupation. Merci. Okay, d'accord. Merci. Alors, Pasteur Patrick, tu as entendu la question. Est-ce que tu peux nous donner la réponse? Bon, moi, je suis en train de parler d'abord de la vision. Quand je parle de la vision, je parle d'abord des yeux. Je ne parle pas de la vision qui voit de loin, dans le futur, dans la direction. Je ne parle pas souvent de la direction. Je suis en train de parler de la vision de la tête. La tête a des oreilles. Il y a les sens. Je parle des cinq sens. Mm-hmm. Donc, quand Dieu... est-ce que tu as... Non, je n'ai pas. On peut couper. Oui. Mm-hmm. Quand Dieu a créé l'homme, par exemple, dans le corps, mm-hmm, okay, il y a cinq sens. Les cinq sens nous permettent d'interpréter notre environnement. Mm-hmm. Okay? Maintenant, dans les cinq sens, Dieu a placé quatre sens. Si je peux dire quatre sens et demi. Pourquoi j'ai dit et demi? Je vais expliquer. Quatre sens sur la tête. Les yeux, le nez, la bouche, les oreilles. Donc, les quatre sens sont concentrés sur la tête. Mm-hmm. Le cinquième sens, c'est le toucher. Donc, le toucher est en train d'être partagé par le corps, qui est la femme, mm-hmm, et la tête aussi a le toucher. Donc, j'ai dit que la tête a quatre et demi de sens. Maintenant, la tête a des yeux. Par exemple, quand le corps a besoin de manger, ou bien ta chambre est en haut, le frigo est en bas, qu'est-ce que tu dois faire? C'est le corps, c'est la tête qui donne la direction, qui donne les directives. C'est la tête qui donne les instructions d'aller manger, par exemple, aller prendre la nourriture au frigo ou bien à boire au frigo. Et le corps, qu'est-ce que le corps fait? Le corps reçoit le signal de la tête. C'est le corps maintenant qui aide la tête à accomplir cette chose-là. Bon, maintenant, quand Dieu a créé la femme, Dieu avait donné d'abord l'instruction pas la femme, avait donné l'instruction à l'homme. Que l'homme domine sur la terre, il a donné l'instruction à l'homme. Maintenant, Dieu a créé la femme pour aider. La femme est une aide. Donc, elle est là, elle a été bâtie, elle a tous les atouts pour aider l'homme. L'homme, c'est lui qui a la semence de la vision. Je parle maintenant du foyer. Maintenant, là, je parle maintenant du foyer, de la vision qu'elle m'a posé la question. Je parle maintenant du foyer, selon Dieu. Parce que quand Dieu maintenant veut parler, Dieu a un ministère pour ce foyer, a une chose pour ce foyer. Dieu parlera à la tête. C'est pour cette raison qu'il a dit que la tête est comme Christ. C'est Christ qui a la vision de l'Église. L'Église n'a pas sa propre vision. L'Église doit suivre la vision de la tête. Donc, l'Église doit être attachée à la tête pour recevoir des instructions. Bon, maintenant, la question que m'a posée, là, c'est autre chose. Mais ta vision que tu as, par exemple, c'est comme quand Jésus-Christ nous parle du corps. Pardon, c'est Paul qui nous parle dans 1 Corinthiens 12. Il parle que dans le corps, il y a plusieurs membres. Maintenant, une bonne tête, un bon leader, un homme qui comprend, qui a vu les atouts de sa femme, même si la femme, par exemple, veut faire un business, tout ça. Oui, tu as ta vision. Un bon homme peut voir parce que c'est l'homme qui donne les instructions. C'est l'homme qui peut observer. Ah, cette femme-là a telle chose. Tu peux aller à l'école, tu peux faire ceci. Elle a beaucoup d'atouts, elle est intelligente. Au lieu de gaspiller son intelligence à la maison, va à l'école parce que ça va nous aider. Tout ce que la femme aussi fera, même si tu as ta vision, c'est le corps. Parce que chaque membre a sa propre vision. Quand je parle sa propre vision, la vision générale. Parce que le membre doit se soumettre à la vision générale. Qui veut dire le corps. Même si toi, tu fais le business, tu es devenu une femme, ton mari peut faire autre chose. Il est peut-être architecte, mais toi, tu es ceci. Mais ta vision, là, ça doit toujours être dans la vision générale du foyer. Pour aider, parce qu'il faut savoir que toi, ta femme, tu es appelée à aider. Comme le corps aide la tête. Mais si maintenant,
Tu as ta vision à part. L'homme a sa vision à part. Ce n'est plus une vision, c'est devenu deux visions. C'est là où la Bible nous dit, en fait, ce n'est pas même la Bible, c'est même dans la mathématique, on dit dix visions. Dix veut dire deux visions. Quand il y a deux visions, donc il y a deux têtes. Donc, peu importe ce que la femme pourra faire, c'est pour soutenir son mari. C'est pour aider son mari. C'est comme ça que Ève a été créée. Ève a été créée pour aider la vision que Dieu avait donnée à Adam. Donc, c'était ça. Et maintenant, Ève aussi dominait comme l'homme. Ève aussi pouvait faire des choses comme l'homme. Ève aussi pouvait dominer sur le serpent. Ève pouvait dominer sur toutes choses comme l'homme. Mais elle avait l'aide. Par exemple, maintenant, quand on part dans le physique, il y a ce mariage-là. L'homme à la vision qui a la sémence. C'est l'homme qui donne la sémence à la femme. Mais la femme ne se plaint pas dans le physique. La femme reçoit la sémence et qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait sa part de responsabilité. Elle conçoit maintenant la sémence. Pendant 9 mois, c'est la femme qui nourrit parce que Dieu a créé la femme avec des habiletés de concevoir la sémence que l'homme n'a pas. Donc, il y a ce partage-là des responsabilités. Mais ici, aujourd'hui, je voulais me focaliser sur l'homme et puis sur la femme après. Mais comme la question a été posée, c'est parce que l'homme... Il faut comprendre que les femmes ont marre. Non, je comprends. Maintenant, c'était pour expliquer que quand on donne la sémence, maintenant, je donne l'analogie physique. Il n'y a pas de déclaration. La femme ne dit pas, moi aussi, j'ai ma vision. Et c'est ça. Moi aussi, je veux avoir un enfant. Comment tu vas avoir un enfant? Pour avoir un enfant, il faut la sémence. Non, mais l'analogie physique, l'homme donne... Mais dans le monde actuel, les hommes ne donnent rien. Non, mais c'est ce que j'ai en train de dire. C'est pour cette raison que j'ai parlé du sable et du roc. Mais je voulais bien répondre à la sœur. J'ai parlé du roc et du sable. Plusieurs hommes sont des sables. Enfin, pas tous les hommes, hein, mais la majorité des hommes. Mais moi, je parle toujours général. Je ne parle pas de spécifique. Je parle de général. La majorité des hommes sont des sables. Ils ne comprennent pas. Mais quand maintenant, nous parlons maintenant dans le physique. Je parle maintenant dans le physique pour que nous puissions comprendre. Dans le physique, pour avoir des enfants, pour maintenant avoir le fruit, même dans votre mariage. Quand je parle de fruit, de matériellement, beaucoup de choses spirituellement, physiquement, maintenant, pour que toutes ces choses-là puissent bien se passer dans votre mariage, il faut comprendre aussi l'analogie physique. Parce que dans l'analogie physique, personne n'est discute, ni les hommes, ni les femmes. C'est l'homme qui donne la sémence. L'homme, la femme n'a jamais été bâtie ou bien construite pour avoir la sémence en elle. Non. Et l'homme n'a jamais aussi été bâti pour avoir la matrice. Donc, c'est la femme qui a la matrice. Donc, c'est la femme qui reçoit de l'homme, qui reçoit la sémence. Et la femme reste avec la sémence pendant 9 mois et après, elle va reproduire le fruit. Donc, la femme en est, même émotionnellement, la femme multiplie toujours. Nous sommes comme des incubateurs. Exactement. La femme multiplie. C'est pour cette raison, quand Dieu a dit, il a dit, Jésus a dit, non, c'est Paul qui a dit, il a dit, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église, dans Éphésiens 5, verset 26. Il a dit, comme Christ a aimé l'Église, qu'est-ce qu'il a fait? Il a lavé, sanctifié son Église par l'eau. Et puis la parole. Pourquoi? Parce que la parole est une sémence. Quand tu parles de mauvaises paroles à ta femme, la femme a toujours tendance à recevoir et puis penser sur la sémence comme elle est en train de concevoir la sémence de physiquement. Elle conçoit et puis elle va multiplier après. Tout ce qu'elle reçoit, elle multiplie. Tout ce qu'elle reçoit, elle multiplie. Tout ce qu'elle reçoit, elle multiplie. Alléluia. Ça, c'est même émotionnellement. Donc, Alléluia. Maintenant, quand je parle maintenant de la vision pour répondre à la sœur, pour conclure à la question, tu peux avoir ta vision, mais ta vision doit être une vision toujours connectée avec ton mari. Pourquoi? Tu peux avoir la vision de faire tout cela, mais ta vision, c'est pour aider, parce que ton ministère, c'est aider. Je parle dans le contexte du mariage, c'est aider. Quand vous allez aider, après, vous allez avoir le fruit. Comme tu aides, moi, ma femme, tu m'as aidé, je t'ai donné la sémence. Après, quand tu as fait ta part, tu nous as donné quoi? Les enfants. Maintenant, on a des enfants. C'est pour nous deux. C'est le fruit de cette union. C'est le fruit de cette collaboration. C'est sûr que ce ne sont pas seulement les enfants. Tu peux, ça, c'est là, à moins que tu sois Marie. Mais même Marie,
Elle avait reçu la sémence, qui était la parole. Quelque part, oui, c'était la parole. C'était la parole qui est la parole de Dieu. Mmh. Et cette parole, c'était la sémence qui avait créé Jésus-Christ. Donc, Marie aussi n'avait pas eu seulement l'enfant comme ça, Jésus-Christ est sorti. C'est il à a cause fallu qu'il y ait une sémence. Qui la sémence qui était la parole. C'est pour cette raison, nous aussi, on est nés de cette même parole-là. Alléluia. Donc, de cette sémence. C'est pour cette raison, la Bible dit, on est nés ni de l'homme, ni de la volonté de l'homme, ni du sang, mais de la parole de Dieu. C'est pour cette raison, à tous ceux-là qui l'ont reçu, on les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. On est né de la parole. Alléluia. Donc, la parole qui est la sémence. Donc, la femme reçoit toujours la sémence, l'Église aussi reçoit toujours la sémence. Mais on est arrivé à la fin, mais ce n'est pas vraiment la fin. On n'est même pas arrivé, même pas au milieu de notre message. Mais pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter. Pour aujourd'hui, nous allons s'arrêter. Et nous savons que vous avez été bénis et que vous avez encore plusieurs questions. Amen. Si vous avez des questions, envoyez vos questions en message privé et la semaine prochaine, nous reviendrons poser ces questions. Ce ne sont pas seulement les femmes qui posent les questions, même les hommes. Parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus les femmes qui ont posé des questions. Voilà pourquoi j'étais en train de te bombarder avec toutes ces questions-là. Mais si les hommes ne sont pas très sûrs aussi par rapport à une chose ou à une autre et que vous avez aussi des questions, n'hésitez pas. Est-ce que nous avons quelque chose? Nous attendons la publication d'un livre sur ça. Alléluia. Oh là là, oui, je dois écrire un livre. Alléluia, moi, je pense yes. Et maman Naomi Moukou me dit elle est la quatrième personne. Alléluia, c'est vrai. La quatrième personne qui me dit que je dois écrire les livres. Bien sûr. Alors. Chic de Stella est d'accord avec ça. Étoile brillante du matin dit que c'est vraiment ça. Jimmy Chiamou dit Amen. Daniel Pichumazine a dit Amen. God bless. Merci. Et bien, nous allons revenir la semaine prochaine. Les hommes, les femmes, si vous avez des questions, sachez qu'avec une question, il y a toujours une réponse. Envoyez vos messages en privé, nous n'allons pas citer votre nom comme aujourd'hui. Je n'ai pas cité le nom de qui que ce soit, mais je suis venue avec les questions. Les personnes peuvent s'identifier elles-mêmes à la maison, mais moi, je ne cite pas le nom. Donc, envoyez vos questions et le pasteur va se faire un plaisir de répondre à cela avec la sagesse que Dieu lui-même lui donne. Et moi, je prends votre place pour tout simplement attaquer le pasteur avec les questions. Alléluia. Amen. Parce que là, je ne suis pas maman Sandra, épouse du pasteur Patrick. Non, je suis toi qui as des questions et donc j'attaque avec mes questions. Donc ici, là, avec la réponse, nous ne sommes pas mari et femme parce que je prends la place du public. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est un peu ça. Nous sommes arrivés à la fin, pasteur. Merci beaucoup. Merci pour votre participation, pour votre présence. Invitez, partagez la vidéo. Comme moi, je suis bloqué par Facebook, je ne pourrais pas partager. Si vous pouvez partager à vos amis, vos frères. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de traverser des moments difficiles leur mariage. Et c'est pour cette raison, la sagesse que Dieu nous a donnée. En fait, c'est Dieu qui veut arranger la chose, mais c'est au travers de nous. Amen. Et Jésus-Christ a parlé, il a parlé du roc et du sable. Et c'est pour cette raison, je vais insister même là pour la semaine prochaine, parce qu'on n'a même pas vraiment puisé vraiment la richesse de ce message. Mais on va puiser vraiment la semaine prochaine pour aider plusieurs personnes. Donc, partagez pour la gloire de Dieu, faites l'évangélisation. Amen. Je pense qu'on peut sauver beaucoup de mariages qui sont près de la destruction. Amen. Parce que ici, la Bible nous parle de la destruction. Le vent viendra. Que tu puisses construire sur le sable ou le roc. Mais là, il y a une promesse. Le vent viendra sur le roc, le vent viendra sur le sable, il y aura la tempête sur les deux maisons. Mais le problème dépendra de la fondation. Donc, pour être solide, ça dépendra de ta fondation. Donc, si ta fondation est solide, même s'il y aura le vent, même s'il y aura les tempêtes, tu seras stable par rapport à toutes ces attaques. Mais si ta maison est bâtie sur le sable, tu auras des problèmes. Mais moi, je pense que par mon observation, et je vois que plusieurs hommes sont des sables. C'est pour cette raison qu'on est là pour restaurer. Et la Bible dit, nous avons des rocs. Mais on est en train de donner maintenant la connaissance pour que les gens puissent réparer leur mariage, pour ceux-là qui sont encore dans le mariage, avant que la destruction puisse arriver. Amen. On est en train de réparer le mariage et nous sommes les rébâtisseurs. Nous sommes les rébâtisseurs du temple. Abonnez-vous à notre page YouTube, Facebook, Les Rébâtisseurs du Temple. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, Les Rébâtisseurs du Temple. Nous allons nous retrouver demain matin à 3h du matin, heure de Londres, pour la prière.
Pray with me, prie avec moi. C'est encore demain à 3h du matin, heure de Londres. Demain, vendredi, 20h, heure de Londres, nous serons encore là, les rébâtisseurs du Temple avec le pasteur Patrick Mazina. Nous serons là pour un temps de partage. Nous sommes en train de parler du temps de la fin. Nous sommes toujours dans ces sujets-là, pasteur. Oui, là, voilà. Demain. Nous sommes toujours dans le temps de la fin. Alors, nous vous demandons de vous connecter encore demain à 20h, heure de Londres, pour parler, pour avoir cette connaissance sur le temps de la fin, afin que tu sois prêt, parce que l'alarme peut sonner à n'importe quel moment. L'alarme peut sonner, la trompette peut sonner. Il faut que tu sois prêt. Il faut que tu saches dans quel temps nous sommes en train de vivre. Soyez bénis. Rendez-vous à demain matin, 3h du matin, heure de Londres, pour tout simplement la prière. Alléluia. Alléluia. Merci, gloire à Jésus. Nous disons shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye. Bye bye, bye bye, bye bye, remove us, bye bye, bye bye, bye bye, shalom.